Bonsoir, bonsoir à tous, et j'espère que vous allez tous très très bien. Moi, pour ma part, ça va nickel, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR, votre nouvelle séance de relaxation. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé un petit gameplay sur Fortnite Battle Royale. Le dernier gameplay du chapitre 3, saison 3. Saison 4, excusez-moi. C'est le dernier gameplay de ce chapitre avant de passer au chapitre 4. Et je voulais vous montrer ma dernière partie que j'ai fait dans ce dernier chapitre. Tout simplement parce que demain, c'est l'événement fracture de pour terminer le chapitre 3, tout simplement. Alors, vous allez voir, dans cette partie, j'ai vraiment bien joué, à part à la fin, le mec, il m'a un peu saoulé, vous allez voir durant la fin de la vidéo, mais il m'a un peu saoulé. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite, quand je respawn à mon spawn préféré, tout simplement. Alors, autant pour moi, j'ai pas spawn au circuit, je pensais que j'avais spawn au circuit, mais j'ai pas spawn au circuit, j'ai tout simplement spawn en dehors de la... Enfin, sur l'aéroport de la map, tout simplement parce que j'avais un défi à faire sur le terrain de foot quand il y avait les défis, les défis de foot. Là, j'avais réalisé visiter deux terrains de football en une partie. Visiter deux terrains de football. Du coup, je me suis rendu au terrain de foot pour réaliser mon défi. Alors, au début, c'est vrai que la partie était un peu calme. Ça s'est mouvementé vers le milieu ou la fin de la vidéo. Alors là, j'étais en train de farmer, il y avait quelqu'un qui me dirait du bon, ça c'était un bot. Hein. Alors dans cette partie, j'ai vu pratiquement pas de bots, enfin vers la fin, c'était pas des bots. Là, j'étais en train de le rusher, là, et puis de toute façon, je sors mon pompe et je lui mets une balle, et il est mort. Du coup, ça me fait un kill, top 54. Alors là-bas, il y avait un mec juste là-bas, j'étais en train de le viser, mais je me suis dit... Voilà, j'ai tiré, mais après je me suis paré de l'autre côté. Enfin, je regardais, j'ai essayé de le repérer tout simplement. Et après, je crois qu'il est venu en tyrolienne, ou il y avait un autre mec en tyrolienne. Du coup, le mec en tyrolienne, il est venu me rusher. Là, le mec qui m'avait tiré dessus, j'étais en train de construire. Je lui ai dit, bon, toi, t'es mort, tu vas pas me saouler. Et bien sûr, il a voulu construire. Là, je loupe ma balle. Je le spam avec mon pompe, j'esquive, et voilà, je le tue. Et ça fait 2 kills, top 38, avec une couronne en plus. Là, j'étais en train de narguer en dansant ma IAI. Et je me suis remis un peu de feu de camp sur moi, parce que j'avais plus de vie. Du coup, on continue la partie. Alors bien sûr, c'était la semaine des poules, parce que là, à l'heure où vous regardez cette vidéo, il n'y a plus la semaine des poules, parce que le gameplay a été enregistré bien en avance. C'était la semaine des poules, du coup j'ai pris la poule pour faire mon défi. D'ailleurs, je sais plus ce que c'était, le défi volé avec la poule, je sais plus trop exactement. C'était un défi avec les poules luisantes. Là, j'étais carrément dans la zone, il y avait un mec derrière moi, il était en train de me tirer dessus. Je voulais aller le chercher, mais c'était un bot, je crois. Je crois après qu'il était mort, je sais plus, mais je crois que c'était un bot. Du coup, après, j'ai vu un propulseur, et je me suis propulsé hors de la zone. Heureusement qu'il y avait le propulseur, parce que je crois que la zone, enfin, le cercle de la tempête, il était vachement loin, du coup, heureusement qu'il y avait ça. Et encore une fois, je me retrouve encore dans la zone, et heureusement que j'avais le chrome là, pour aller plus vite. Alors dites-moi dans les commentaires, pour ceux qui jouent à Fortnite, comment vous avez trouvé cette saison. Moi je la trouvais pas top, mais elle était pas mal non plus. Et ouais, franchement elle était vraiment pas mal, il y avait beaucoup de... Fortnite, ils nous ont offert beaucoup de trucs cette saison, avec les XP, les cadeaux qu'on a pu recevoir et tout, même le skin potiron chromé qu'on a eu gratuitement, tout ça, c'était vachement cool de leur part. Et dites-moi comment vous avez trouvé cette saison. Après, je me suis dit, d'un côté, heureusement que cette saison se termine parce qu'ils ont rajouté des armes.
Vraiment trop cheaté. De toute façon, je l'utilise après l'arme à la fin de la vidéo. C'est le lance liquide. Qu'est-ce qui était cheaté? Tu pouvais rien faire avec cette arme-là. Il y avait un adversaire qui avait cette arme. C'était mort. Tu pouvais rien faire. Du coup, là, je me suis remis un peu de pleuvage et un peu de spray. Parce que j'avais que 72 de PV et 50 de bouclier. Là-bas, j'avais repéré un mec. Je crois que j'ai été tué, je sais plus. Mais là, c'est vrai que c'était. Enfin, le début de partie, il était un peu longuet. Après, j'ai fini la partie avec pas mal de kills. Enfin, pas mal. Pour moi, c'est pas mal, mais j'ai fini la partie vraiment bien. Là-bas, il y avait un mec. Tout là-bas, c'était Spider-Queen. Et. Enfin, le Spider-Man en fil. Hein. Et. Je crois, je sais plus si je l'ai eu, lui. Non, moi, j'avais pas tiré. Mais je sais plus si je l'avais tué. Alors là, les gars, c'est mon moment préféré de la partie. Là, j'ai vraiment eu de la chance. Le mec, il savait que j'étais là. Il savait vraiment que j'étais là parce que. Ah non, 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 je me suis trompé. Il savait pas que j'étais là. Et. Je l'ai tué avec mon pompe. Là, je récupère son pompe à amorce. J'aime bien ce pompe-là. Là-bas, il y avait un autre mec. Je me suis. J'ai pas eu le temps de me remettre du pleuvage. Enfin, du spray. Du coup, le mec, il va traverser le mur. Regardez, il traverse le mur et je mets une balle à mort. Là, c'était mon moment préféré. J'ai dit, bon, allez, faut faire top 1 cette partie. Là, j'ai bien joué, j'ai 4 kills. J'avais bien joué, du coup, c'était vraiment bien joué de ma part. Après, j'ai rien fait d'exceptionnel, hein, mais j'avais pas beaucoup de vie. Le mec il m'a touché un petit peu, mais après je lui ai mis une balle à mort et comme vous pouvez le voir, je suis full or. J'ai le fusil d'assaut en or, le pompe à amorce en or et le fusil à lunettes de cobra, je crois que ça s'appelle comme ça. Mais j'ai changé mon fusil avec ce lance-liquide. Qu'est-ce qu'il est cheaté ce lance-liquide? Et j'espère que dans la nouvelle saison, ils vont remettre des bonnes armes. En plus, apparemment, c'était si ça sera une nouvelle map. Mais ne vous inquiétez pas, je vous réserve une vidéo. Ma réaction du chapitre 4. Comme je fais toutes les saisons. La saison dernière, j'ai pas pu le faire parce que. Enfin, cette saison, j'ai pas pu réagir à. Enfin, la saison, parce que je me suis fait hacker, du coup, Fortnite a commencé à ce moment-là. Et je vous réserve une vidéo pour dimanche ou lundi, ça dépend quand est-ce qu'on pourra jouer. Ça dépend quand est-ce qu'on pourra rejouer à Fortnite. Là, nous sommes top 6 avec 4 kills. Là, je tue le loup tranquille parce que les loups, ça m'a fait chier. Là-bas, j'ai entendu tirer et je vais tout de suite les rejeter. Alors là, j'ai entendu tirer, comme je vous l'ai dit. Et il y avait un mec juste derrière sa constru, il était en train de se faire tirer dessus, mais il avait plus de vie, je lui ai mis deux balles, il est mort. Du coup le mec là-haut là il croyait qu'il était encore là, mais non c'est moi qui l'a tué, c'est moi qui a volé son kill. Du coup, bon on continue, ça fait top 5 avec 5 kills. Je me suis dit, allez je suis chaud, j'ai fait 5 kills, il faut continuer la partie, il faut continuer de bien jouer. Faut faire. Le top 1 avant la dernière, le dernier chapitre, avant la conclusion du chapitre 3. En plus, ce qui est bien parce que j'avais une couronne, bon, c'est vrai que les couronnes, je m'en fous un peu, parce qu'après, chaque saison, ils les enlèvent, du coup, j'avais deux couronnes. Et là, le mec, je lui tire des balles, il prend pas, enfin, il prend mes balles, mais il meurt pas. Là, je monte sur le champignon et avec le lance-liquide, je le tue. C'est vrai que c'est vraiment cheaté ce lance-liquide. T'en mets plein sur la construction et il peut rien faire. Là-bas, il y avait un autre mec dans la constru. J'étais en train de construire. Bon, là, j'ai mal construit hein, parce que j'étais en train de paniquer un petit peu. Moi, quand on est en fin de partie, j'ai tendance à paniquer. Du coup, j'ai construit comme n'importe quoi, quoi. Et là-bas, il y avait un mec, j'ai essayé de l'avoir avec mon lance-liquide, mais ça n'a pas marché. Et il était juste là-bas. J'avais un bon shoot. Et bon, après, je l'ai loupé. Avec mon lance-liquide, ça n'a pas marché, puisque je l'aurais tué, il avait plus de vie.
Après, je casse les pierres. Je sais plus si je l'ai tué, mais je crois pas que je l'ai tué, lui. Là, nous sommes en top 2. Alors, je croyais qu'il était dans la construction, du coup, j'ai utilisé mon lance-kit pour rien. Mais il était tout là-haut. Il était tout là-haut. Là, je fais le tour du bâtiment parce que je croyais qu'il restait encore des mecs, mais non, on était en top 2. Du coup, je cherchais pour rien. Après, je me suis rendu compte qu'on était au top 2 parce que j'avais pas regardé le compteur. Et du coup, là, il m'a fait, excusez-moi, vraiment fait chier. J'ai vraiment eu du mal à le tuer. Enfin, le mec en face, tu me diras, il était nul. Mais j'ai vraiment eu de la chance parce que j'ai failli mourir. Regardez. Là, il avait pris sa voiture de Rocket League. Il m'a foncé dedans et j'avais pris des dégâts de chute. J'aurais été plus haut, j'aurais été mort. Heureusement que j'ai survécu aux dégâts de chute. Là, j'étais en train de construire et c'est là que tout va se jouer. J'étais en train de construire, bon, désolé, hein, je construis comme je peux. Je me débrouille pas trop mal, enfin pour ma part. Là, j'étais en train de construire en hauteur. Comme ça, lui, il était carrément en bas. Mais il est pas venu me rusher. Là, j'étais en train de me remettre de la vie tranquille. Alors là, j'avais plus de vie. J'avais encore des bleuvages avec moi, mais je crois après, j'en avais plus de bleuvages. Après, tu me diras, j'aurais pu jouer la zone. Genre, mourir, enfin, le laisser mourir dans la zone. Mais bon, je l'ai tué avant. Du coup, là, j'avais mon lance liquide. Là, je lui mets des dégâts. Il meurt pas. Et moi, j'ai vraiment eu de la chance, ce moment-là. Là, il était en train de me spammer avec son fusil d'assaut. Là, j'étais en train de tirer dans mon contre comme un con. Et ça m'a vraiment gêné. Parce que je voyais rien, j'étais mal placé. Mais je suis resté en hauteur comme ça, il pouvait pas m'avoir. Là, je reprends deux bleuvages. Il pouvait pas, de toute façon, il pouvait rien faire. Et je me retrouve avec que deux armes. Mais bon, après, les deux armes m'ont très bien servi. Là, je mets une balle de pompe, j'enlève que 10. Mais moi aussi, à mon avis, j'ai dû le faire chier parce que je le laissais pas, en fait, que je le spammais, je le laissais pas se soigner. J'ai vu qu'à un moment, il était en train de se soigner, je l'ai pas laissé jusqu'à la mort. Moi, j'ai tiré jusqu'à la mort. Là, j'étais en train de tirer. J'enlève tout son bleuvage. Là, il était en train de se soigner avec un kit de soins. Vous allez le voir de toute façon, voilà. Je l'ai pas laissé soigner. Après, il a été sur le côté. Regardez, vous avez vu, je laisse pas se soigner. Là, il était sur le côté. L'arbitre, moi, il m'a fait chier. Je le spam avec mon fusil d'assaut. Et c'est le top 1. Voilà. Petit top 1. Et en plus, j'étais dans la zone. Voilà. Vous avez gagné une partie solo durant le chapitre 3. Voilà. Bon, bah, en espérant que ce petit top 1 avant le chapitre 4 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ce qui me ferait super plaisir. Dites-moi de par commentaire. Et j'ai fini avec 7 kills. N'oubliez pas de me dire des commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous retrouve la prochaine fois pour de nouvelles vidéos ASMR. Bonne nuit à tous.